Que dalle. T'as vu un truc? Je vais chercher ici. Descends, jeter un œil.
Il est là-bas! Avril. Marlène avait raison. Je n'avais encore jamais vu ce type d'infection. La cause de l'immunité de la fille reste incertaine. Comme observé dans tous les cas précédents, les titres antigéniques du cordyceps restent élevés dans le sérum et le liquide cérébrospinal. En laboratoire, les échantillons de sang de la patiente développent rapidement le cordyceps en milieu fongique. La différence, c'est que les globules blancs, aussi bien en pourcentage qu'en valeur absolue, restent à un niveau normal. On n'a constaté aucune augmentation de cytokines pro-inflammatoires. Et l'IRM cérébral n'a décelé aucun signe de contamination fongique dans le système limbique, qui accompagne d'habitude le prodrome d'agressivité chez les patients infectés. On doit trouver un moyen de reproduire cet état en laboratoire. On est sur le point de faire une découverte aussi cruciale que la pénicilline pour l'humanité. Après des années à tourner en rond, on va enfin pouvoir faire la différence. Et permettre à l'homme de redevenir maître de son destin. Tous nos sacrifices et toutes ces centaines de vies perdues pour cette cause n'auront pas été vains. J'arrive, Ellie.
Scannez le périmètre. Oh, ma terre ! Ça donne quoi? Que dalle, c'est de ton côté. Il y avait quoi? Je vais regarder de ce côté. Les gars, allez voir là-bas. Je vais regarder de ce côté. Oula, allez voir. Merde, c'était quoi? Ça donne quoi? Rien. Et toi? Je vais regarder par là-bas. Vous là, allez voir là-bas. Ça donne quoi? Que dalle. T'as vu un truc? Je vais regarder par là-bas. Vous là, allez voir là-bas. C'est quoi ça?
les vieux, il y a deux façons de régler ça. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas la prendre. Notre avenir en dépend. Pensez aux vies qu'on va sauver. Ne vous approchez pas. Attention. Oh! Espèce de monstre! Carrie, tu vas la fermer! Tu ne peux pas la sauver. Tu l'as fait sortir, et après? Combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs? Si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant? Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est ce qu'elle voudrait. Et tu le sais. Écoute. Tu peux encore faire le bon choix, Joël. Elle ne sentira rien.
quoi ce truc? Reste calme. Le médicament fait encore effet. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé les lucioles. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Des gens immunisés, il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous. Je suis désolé. Attends. Ne me tue pas. Pitié. Tu chercherais à la retrouver. Je te l'ai jamais dit, mais Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. C'était une bonne marcheuse, j'étais souvent à la traîne. Je crois que... Je suis sûr que vous vous seriez bien entendues, toutes les deux. Je pense que tu l'aurais bien aimée. Et je suis sûr qu'elle aussi. D'accord. Oh. Regarde en bas. On est presque arrivés. Plus très loin. Là, je te tiens. Donne-moi la main. Attends. À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire. Alors... Elle m'a dit... On n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. J'attends toujours mon tour. Ellie... Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam... Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu... Quoi qu'il arrive... Tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai.
Je te le jure. Et voilà, c'est la fin de ce jeu incroyable. Franchement les gars, j'ai tellement kiffé refaire le jeu une énième fois. Je l'avais jamais fait sur PS4. J'avais fait plusieurs fois sur PS3. Mais sur PS4, je l'avais jamais fait. Et ouais, franchement, il procure toujours autant d'émotions malgré qu'on connaît le jeu par cœur. Que ça soit au niveau de la musique, de l'ambiance, du scénario,
des personnages qui sont tellement charismatiques. C'est un chef-d'œuvre hein, ce jeu, c'est incroyable. Hein. C'est. Le 1 est tellement beau et tellement attachant que ouais. Franchement, moi j'ai kiffé le refaire avec vous en plus. Et franchement, ça me donne envie de faire le deuxième aussi. Le deuxième est incroyable aussi. Franchement, je l'ai déjà fait une fois et j'ai surkiffé le 2. Mais voilà, j'espère que vous, ce let's play vous aura plu. Bah au final, on l'a fait en 2 semaines et quoi, 2 jours du coup, à peu près. Ça va, franchement, je pensais faire beaucoup plus. Mais finalement, c'est un jeu qui se fait en quelques heures quand même, hein. Mais ça va, franchement, c'est une très bonne durée. Et voilà, j'espère que ce let's play vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, et puis moi je dis ciao, et à la prochaine. Allez, tchuss.